Bonsoir, voilà, 3e épisode. Je vais essayer de voir comment donne parce que je suis pas très satisfait de la qualité sur l'épisode précédent. Mais comme je coupe et tout, ce qui est un petit peu inutile, enfin, genre les combats, je dois répéter. Je vais essayer de voir ce que ça donne en 30 FPS, mais en 1440p parce que je suis pas trop satisfait. J'ai remarqué que en fait, l'animation c'est pas trop important, on verra bien. Je vais lancer le jeu, je vais couper le son du micro pendant l'intro et tout, comme ça je peux boire mon café. Par contre, j'ai foutu le pad. J'ai absolument tous les pads possibles devant moi. J'ai un pad PS3, un pad Switch Pro, un pad Xbox Elite, un pad Xbox One. Mais... Oh putain, qu'est-ce qu'il fout là? Il était posé n'importe comment sur mon pieu. Ok, bon, attends que je bave mon café. Charger ces données, sauvegarder, oui, effectivement. Je sais plus s'il y avait la scène qui se lançait immédiatement, donc j'ai préféré prendre depuis ce menu. Je vais en terminer. お前の家来の給料を払わなければならないのかと聞いているのだ。だって、あたしの家来は殿下の家来なんでしょ？だったら、殿下が給料を払うのは当たり前じゃないですか。鋭いとこ突き合う。わかった。では、売り荷隊の給料をいただきに行くぞ。貯めたお金は？これは俺様のお小遣いだ。誰にも渡さん。猫。さあ、この辺りで一番金を持ってるやつ、そいつのところから宝を根こそぎいただくぞ。ラハールさんっていつもああなんですか？うん、いつもああなの。ああいうタイプの人は天界にはいなくて。そりゃまあそうだろうね。でも。くらいのことでびっくりしてたら、まあ、カルチャーショックです。第3話、小さな優しさ。Je finis juste mon café, hein, si jamais. Bon, j'espère que ça ira parce que là, quand je bouge comme ça, je regarde sur la preview du OBS et que je passe sur PS4, il y a quand même une sacrée différence de fluidité. Je verrai bien. Mettre des données. Ah oui. Ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est d'essayer de. Examen de promotion. De faire le prochain examen de promotion. J'aimerais vraiment. Ah, moi je peux le débloquer, plus d'objets chers. On va refaire. Parfait! Alors, ce qu'il y a. Pire, je le ferai passer encore dans le cycle. Ah oui, voilà, c'est bon. Vous voyez que ça. Il commence à avoir des armes plus intéressantes. Double d'attaque pour celle-là. Voir s'il n'y a pas mieux. Dans la nouvelle description des. Alors. Il faut activer des supports pour l'attendre. Les non-ninjas peuvent aussi la manier. Ok, pour le moment le mieux c'est celle-là. Longue lance, longue lance. Voilà, voilà. Je crois que c'est la meilleure description possible pour une arme, quoi. Voilà, voilà. Alors, lance d'une guerre orientale. Arc de lutin, arc imbibé de la magie mystique d'une fée. Tiens, celle-là a l'air plutôt normale comme description. Rouille facilement. Composé de fer. Vous donne l'air d'endur à cuire. Putain, j'adore les descriptions des armes dans ce jeu. Un bras meilleur que le bâton des sorcières. Parfait pour te passer aux ennemis. Putain, c'est tellement. Bâton de marque. Ingrédient secret du pudding à l'arsenic. Le meilleur ami, pas la seule chose. Ah, ok, le meilleur ami des. Je vois rarement des gens se faire. Quoi?
Ah non, double gifle, genre vraiment des gens se faire gifler. Moi je n'avais pas quitté que c'était en haut. Ok. Bon, je pense que le mieux c'était très certainement l'arme. Putain, il y a une mouche qui me grimpe dessus. Je fais un petit insecte de merde qui essaie de me violer. C'était proche de ma bite. J'ai réactivé le micro ou pas en fait? Ah oui, c'est bon. Bon, je crois qu'on va. Non, pas ça. Bon, épée longue, il n'y a que ça quoi. Il n'y a pas moyen, mais. Ah, LR, voilà. Épée ninja, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? 34 d'attaque, 34 d'attaque, speed, hit. Écoutez, je vais prendre celle-là. J'aurais dû acheter celle qui était à 2000 avant parce qu'elle était vachement mieux. On va prendre ça. Et on va prendre un meilleur arc. Gladiateur, tireur. Tireur. On va prendre un arc. Ah bah j'ai pas l'argent. Le rang de client augmenté. Je peux pas vendre des trucs. Épée ordinaire. Brise épée. Âge de village. Un bateau en bois. Griffe à gratter. L'orbe, je sais sur qui je vais l'équiper. Ok. Ah mais l'arme elle coûte pas Hop. Je suis pauvre, j'ai plus en rond. Alors l'arme. Alors franchement. Je passe de 114 à 136 attaques. Et elle monte un petit peu l'attaque. Psycho-orbe, orbe commun. En bâton. Je peux un petit peu l'aider à leveler un minimum. Ok. Écoutez, on va essayer la prochaine map. Faire une sauvegarde. Maintenant, je crois que j'ai pas besoin de sauvegarder parce que si tu meurs, tu reviens là immédiatement. Ça a changé par rapport à par rapport à l'épisode PS2. Par contre, pour m'aider dans le dans la vidéo. Comment je pourrais faire? Je vais couper en fait le son du jeu pendant 2 secondes et rien dire, comme ça je sais immédiatement quand il y a un début de combat et tout, ce sera plus facile. Ah, il faut que je fasse Little World. Ok, ok. Bon. En gros, blablabla. Bla, bla. En gros, bon, je skip ce dialogue parce qu'on s'en fout, je sais ce qu'il faut faire. Bon, déjà, item world, je vais faire quelque chose. Lar, tu vas créer un personnage. Bagarreur. Oui. Un non compétent. On va l'appeler aléatoire. Tokamaku. Bon, d'accord, si tu veux. Pourquoi? Vous allez comprendre. Ok. Juste lui donner une arme de poing. Ah mais il y a Floon avec moi. Oh. Je vais juste lui acheter une arme de merde tout de suite. Un changement de plan là sur les personnages. Hop, ça il est content. Un ordre. Floon tu viens en haut. Floon tu viens en haut. Machin là tu viens ici. Edna tu viens là. Toi là, Jael. Non, order. Ordre. Parce que même si Flun c'est une sacrée conne. Putain ça rime, je suis sûr que c'est fait exprès. C'est une bonne healeuse. Comment je retire? C'est une très très bonne healeuse. Ouais, déjà un bâton couvercle spécial. Bon. Sortie de secours cassé, emergency exit. Alors, les orbes qui servent surtout pour le regain de les soins. Ça demande de beaucoup les. On va mettre un. Bon, on va laisser le couvercle. C'est quoi le mieux? Non, bon. Donc à faire. Voilà. On va tenter vite fait l'item world. L'item world, je vais le rusher en fait. Ah, mais j'ai pas d'argent. Et ce que je vais faire. Je vais leveler. Ça risque d'être un peu limite. Mais je vais lever l'alarme de la harle.
Ouais, je vais l'arme de la harle. Point de pierre, voilà, bon, essayons. Et dans le monde des objets, épée ninja. Parce que je vais essayer de rusher. D'ailleurs, ce serait bien que je fasse plus de personnages. Non, ça ira. Ah, moi, je peux choisir la musique. Ah non, je peux pas. Ouais, là, je vous aurais coupé un peu, par contre, parce que je suis à 38 minutes de vidéo. J'aurais peut-être pas dû prendre une arme. J'aurais peut-être pas dû prendre une arme, parce que j'ai mis un petit moment, j'ai un petit peu galéré. J'ai dû utiliser un Emergency Exit, d'ailleurs. Voilà, arme level 10. Ouais, j'ai dû utiliser un Emergency Exit, parce que j'avais pas d'autre choix. Et du coup, l'arle... Alors, c'est pas une énorme montée, mais c'est déjà mieux. De 119 à 161. Le hit aussi monte de beaucoup. Le SPD aussi. Par contre, le... comment t'appelles ça déjà? Le résident qui est sur l'arme et pas... Enfin, l'innocent, pas le résident. L'innocent qui est sur l'arme, c'est un petit peu du caca. J'ai plus en rond. J'ai plus en rond. Et par contre, quand je me suis soigné avant... Réclamer Primus spirituel. Augmente. Et j'ai eu un truc, je crois que c'est du soin. Alors. Spirituel. Plus d'HP. Donc, faut. Hop. Je vais laisser le truc de défense. Je vais. Ok. Ah, désolé. Ah, c'était juste un tutoriel. Ok, c'est le prochain stage. Moi, je vais refaire une fois un niveau. Je vais refaire une fois un petit niveau pour... histoire de récupérer un peu d'argent. Donc ça, je vais couper. Bon, on dira que... On dira que ça ira, en fait. Hein. Voilà. Ah, tiens, j'ai eu un nouveau prix. Tireur x2. Putain, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Putain, cet épisode, il va avoir le 95% qui va être coupé. Parce que là, je suis à 47 minutes de putain de vidéo. Attends, alors, soin impérial. C'est pas dégueulasse du tout, ça. J'aurais presque le donné sur l'archère pour changer un petit peu. Parce que là, quand même... Ouais, je vais essayer de donner ça sur l'archère. On verra bien ce que ça donne. Je vais faire une sauvegarde. Ouais, toute la phase de l'item world, c'est évidemment que je vous couperai parce que c'est pas intéressant. Allez, on peut enfin commencer l'épisode. Je pense que là, je vais couper comme un bourrin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Harry. Si le mec à côté s'appelle Potter. Camera, vivant. Ok, je pourrais pas. Bon. J'enlèverai peut-être au bout d'un moment les animations. Quand on les aura bien toutes vues. Waouh. Putain, le 1 de PV. Bon, bah, expérience gratuite pour elle, j'ai envie de dire. Mais après l'arc, je sais pas combien je vais rester longtemps dessus, parce que c'est une arme qui est assez moyenne. Elle était level 1, elle est passée level... Merde, j'ai cru level 31, non, c'est bon. Flone. En fait, Flone est bien si tu peux supporter son nom d'attaque. C'est vraiment une très bonne healeuse. Pigel, ben tiens, tu sors rien. Est-ce que j'aurai une autre capacité spéciale? Ah, même si l'archer est pas fort dans le petit Gaïa, j'ai toujours bien aimé ce... J'ai toujours bien aimé cette classe dans les Xiga. Avec Flune, je floute cette attaque au nom dégueulasse. Histoire que ça level un petit peu. Le niveau...
L'arme commence à aller mieux déjà. Beaucoup mieux. J'aimerais que tu levelles un petit peu. En tout cas, il y en a un qui résiste à chaque fois comme ça. Je pense que... Ah, mais il a du resist fire. Ouais, résistance feu à 50%. Je comprends. Bon, d'accord. Ça a survécu. Ce serait bien que je puisse, en fait, choisir quelle attaque je veux skipper. Ou pas. Ça, ce serait cool. Genre ça, je veux pas voir à chaque fois. Parce que j'aimerais bien la leveler un petit peu. J'aurais dû faire fin de tour. Ah, mais il y en a un deuxième, je l'ai pas vu. Je suis sûr que personne l'a vu, l'ennemi, là. Ouais. On a à peu près doublé de dégâts avec l'arme, ce qui est pas énorme, mais c'est déjà ça. Sérieusement. Bon, ce chevalier. Je vais me re-soigner. J'espère que je peux me mettre full life avec tout. Vivement que je commence à être un peu plus riche. Par contre, ouais, je vais couper juste. Ah non, il y a une démo. Juste le son en début, au cas où si je meurs pendant le combat.面白い。おい、プリニーどもよ。自分の給料のためだ。アイアイさん。魔界のプリニーさんって天界のプリニーさんとは違うんで、天界のプリニーさんはお掃除したり、でも中身は一緒だよ。中身？あんた天使のくせにそんなことも知らないの？ あいつらの中には人間の魂が入ってんのよ。ほとんどが生きてた頃に人殺しとか強盗とかしたろくでも、その罪を償うためにプリニーとして魔界や天界で働いてるってわけ。天界の場合は、ただ働きして善行を積む。魔界の場合は超低給料の超重労働でお金を稼ぐ。で、罪と同じだけの善行を積むか、お金を貯めれば新しく生まれ変われるのよ。 私も詳しくは知らないけど、えー、でもどうして魔界の場合はお金なんでしょう。そりゃあんた地獄の沙汰もなんとやらってやつ。うーん、当たり前じゃない。何言ってんのあんた。お金より大事なものなんてこの世にもあの世にもそんなことないですよ。ほら、はあ、あのね、そんなもんがなあんた。 Ok. Alors, passe-passe, j'entends dit soulèvement impossible. Ah oui, il y a un bug qui me revient en tête là, est-ce qu'il marche? Comment fallait faire là déjà? Bon. Là, ce serait bien que j'aie deux personnages un peu plus forts. Il y a un bug pour qu'il permette de passer les trucs impassables. Donc, j'utiliserai évidemment. Yikes. Ok.
Alors. Le truc là, c'est qu'il faudrait faire le tour ou en sorte de faire le tour. Par contre, cette map est pas. Il y a lui qui est dangereux. NFTB Force Win. What? Derrière. Rank. Bien. Ouais, la bestiole là est vraiment pas mal si tu veux en faire en tank. Mais après, le truc est très très faible. En fait, il faudrait carrément que je passe soulèvement impossible. Attendez, comment est-ce que tu faisais cette map? Passage interdit, ya. Attendez, là je peux passer, non? Passage interdit. Me tirer dessus à distance. Je pense qu'il faut que je tire dessus. À ce moment que l'archer se fasse pas éliminer. Je pense là. Je pense qu'il faut juste les détruire à part s'il est invincible. Non, il est pas invincible. Le problème c'est qu'il y a des archers aussi et merde. Si elle crève, je ferai le bug. Et s'il marche plus, j'aurai l'air con. Merde, je l'ai pas attaqué lui. Oh putain, oups. Alors, Flown. On va faire ton skill au nom dégueulasse. Est-ce que par hasard... Okay. Où ici. Je ne dois pas toucher l'ennemi normalement. Oui, l'ennemi je le touche, mais je sais pas si je touche le cristal. Bon, alors, je suis curieux de savoir si ce bug a été fixé ou pas. Je veux juste clean les ennemis qui sont là et je teste. Fais ton truc. Non, je détruis Geoblock après les ennemis. Je vais éliminer les ennemis. Vite, tester ce bug. Je me rappelle comment le faire. Par contre, j'ai un peu de la peine avec les attaques. Parce que j'ai vraiment l'habitude des noms des attaques anglaises. Ça va revenir. Puis bon, quand je jouais au premier, je regardais pas le nom d'attaque, je regardais par rapport à la position dans laquelle elle était l'attaque. Du coup, ben voilà, je sais quoi faire. Mais bon, au bout d'un moment, c'est avec Dimension Slash. Et voilà. Merde. Sérieusement? Bon, ben tiens, expérience gratuite pour toi. Mais elle a combien de vie? Ah, mais elle est rang 9. Ah, ça s'appelle un rang. Donc, elle est plus forte que le reste, en fait. Ouais, elle est clairement plus forte que le reste. Bon, je teste ce bug. Oui, d'accord. Normalement... Ah bah oui, voilà. Alors... Je pensais plus qu'il était aussi simple à faire que ça. Ah bon, par contre... J'ai pas d'autres capacités spéciales, non, sur flèche empoisonnée. Ok. Bon, je vais envoyer la Arle là-bas derrière. Et par contre... Alors, tant pis. Et puis vu à quel point c'est simple à faire, je me demande si c'est vraiment considéré comme du cheat que je l'utilise. Par contre, j'aimerais juste quand même éliminer les blocs. Je crois que c'est celui-là que je dois éliminer pour faire... Bon, ça vaut pas tellement la peine. Non. Est-ce que je peux annuler? J'aimerais bien qu'elle vienne à côté de la Harle pour que je puisse... prendre un peu d'expérience. Ça va pas le faire. Bon,
attaquer avec Laral en premier. Je crois que le premier stage où je vais pouvoir power level, c'est le monde 5. Passage top. Ok. Ah, réclamer un prix. Orbe des ténèbres. Floon direct. Orbe des ténèbres. Yep. On se rappelle que son soin, avant que j'équipe ça, faisait 83, je crois. On verra bien. Ok, une démo. J'aimerais bien un Disgaea où tu joues son paternel en fait. Je sais pas pourquoi. Ou peut-être que ce sera affreusement chiant parce que peut-être le mec est super chiant, je sais pas. Mais ce serait cool. Donc, comme personnage à jouer. そういえば暗黒饅頭を喉に詰まらせたのよ。え？魔王さんとマロウ方がお饅頭を喉に詰死んじゃったんだから、やっぱ死んじゃうもんなんじゃないの？ Ah, je me souviens de cette map. Je me souviens. Ouais. Par contre, le skin de l'arme là est stylé, la refonte du skin de cette arme. Ok, bon. Lola, aucun fond de tasse. Putain. En fait, je regarde les noms des ennemis. Depuis que j'ai vu passer un nom absolument... Putain, je sais plus ce que c'était le nom, mais j'ai vu passer un nom absolument ridicule. Je suis en screen qui doit être quelque part sur Disgaea D2. Dans une PC, mais c'était... J'ai rien compris pourquoi... Bon. C'est quelque chose... Sont level combien ces ennemis? Non, regarde moi. Ok. Franchement. Crotte. Crotte. Bon. Étonné qu'il ait pas pris de level. En fait, j'aurais dû faire c'est envoyer un personnage super flat dès le début pour les faire bouger. Donc tuer des gars, ils vont pas me faire grand chose. Expérience gratuite pour elle et au Pocahontas, la merde. Pas de level up, sans en. Par contre, j'hésite presque à donner. Non. Yep. Ouais, c'est bon. Bon, là, je m'inquiète pas trop pour la Harle. Ouais, c'est bon. Par contre, elle, il faudrait que je la soigne. Je sais pas si je vais. Non. T'as un peu de la peine à avoir là. Bon, déjà faire ça.
elle, elle a survécu. Ah, elle est level 10, ok. Est-ce que Floon... Je sais pas si je l'attends, là. Ouais. Ah, bien, je soigne les ennemis aussi. 84 ? Je m'attendais à faire plus que 100, là, le heal. Attends, mets-toi là. Ok, ce serait le plus faible. Bon, pas vraiment de grosse différence, hein. Voilà, vu comme ils sont placés, on sait directement ce que je vais faire avec l'Arl. Négativement. Toi, tu fais ton truc. Cette map est pas dure. Juste qu'il y a beaucoup d'ennemis. Mais vraiment, ce que j'aurais dû faire, c'est vraiment me déplacer au début avec un perso faible. Ah, mais ah oui, le seul défaut de cette attaque, c'est que ça sonne pas Floon. C'est juste. Bon, bah, elle est morte. Ça apprendra d'avoir des noms du schnapps avec ses attaques. Par contre, elle a quand même pas mal de HP, elle. Ah oui, les dégâts aussi. D'ailleurs, elle a quoi comme objet? D'accord. Évidemment. Évidemment. Mais je pense que les soins du clerc bien levelés seront plus intéressants. À cause de des zones. Ok. Alors, il y a ceux-là là-haut qui sont plutôt moyens. Puis il y a Dora. Pas combien de dégâts flèches empoisonnées ça fait, bien d'accord. Combien de dégâts flèches empoisonnées ça fait. C'est pas très puissant. Bon, le poison c'est un statut qui est relou, mais je trouve pas si efficace contre les ennemis que contre toi. Faudrait que je teste un peu plus, genre si ça marche contre les boss et tout. Ça pourrait être pas mal. C'est peut-être efficace. Tant que le skill sera bien levé. Yay. Je sais pas si je le touche. L'ennemi là à cause du pilier. Ah bah d'accord. Réponse acquise. Pilier. Ah mais il peut passer à travers. Moi bon, si je le savais j'aurais tiré. Regardez je vais pas pouvoir tirer à travers. Ah bah non. Attends, lui il s'appelle Garçon. Si jamais les noms sont pas traduits, hein, que je mette le jeu en français ou le jeu en anglais, ça je sais que c'est pas traduit. En anglais, le mec s'appellerait Garçon, par exemple. Un peu longue cette map, mais bon. Le chapitre que j'aime le moins de tout le jeu, je pense que c'est ce chapitre-là. Je crois que c'était celui-là. Je le trouve pas intéressant du tout. Ça fait un petit peu épisode hors série dans un anime. Cool. Ok. Alors, équipement, stase, jumelle. Plus de hit. Les muscles, donc fouille donne beaucoup. Ouais, ça peut aider.
Ah mais il y a du staticien dessus. Putain, ces lunettes internet elles sont pas dégueulasses du tout. Staticien en fait ça augmente. Attends, est-ce que je peux regarder? Non. Un staticien augmente l'expérience que je gagne. Là je gagne normalement 7% je crois d'expérience en plus avec elle. Mais c'est jumelles. Ah, musique de combat, voilà. Larl. Un peu plus d'HP. C'est intéressant, je cours. Comment je perds là? Ouais, par contre, c'est vrai que. Elles sont pas terribles. J'hésite presque à faire le niveau de rang. Avec Larl. D'obsession, ça on regardera pour le prochain épisode. C'est vrai que là c'est achat de lunettes. J'ai presque envie de tenter de faire ça. Tu peux pas accélérer, c'est vrai que tu pouvais. Non, surtout pas convaincre la force. Bon, essayer de faire promotion de rang. Examen de promotion, ça devrait le faire. Devrait le faire. Ok. Problème de hauteur de 6. Ça sent. Ok, je sais pas pourquoi. Ça a pas touché l'autre. Oh bah ils sont alignés parfaitement. Laisse-moi deviner, je suis empoisonné, je vais crever à cause du poison. Attention, je vais crever à cause du poison, parce qu'il y a un qui va survivre. Ou alors pire les deux parce qu'ils ont du résist fait. Je supporte pas cette attaque. L'animation n'est pas de couilles. Non mais je vais crever à cause du poison. Quoique. Non là je. Peut-être, peut-être pas. Pour un miracle, faut que je survive. Ah bah cool. Yay. Alors qu'ai-je débloqué? Petit objet cher. Ouais, je me demande. Améliore le reportement, le report du personnage. Ça par contre c'est que pour le prochain match. Que pour la prochaine map. C'est pas permanent. Normalement. Petite être une connerie, mais normalement. Allez. Il y a ça qui est apparu. C'est le clerc homme. Oui, ça, c'est un homme. Ou c'est celui-là, le clerc homme. Non, je crois que c'est celui-là, le clerc homme. Ça, c'est femme. Ouais, j'ai mis plus de 10 ans à comprendre que ça, c'était un homme. Je crois que c'est un homme. Ah cool, je vais pouvoir l'upgrader en sniper. Plus tard. Ce serait peut-être une bonne idée. Attends, comment ça marche déjà pour transcendre? Bon, je vais essayer. Je sais plus comment ça marchait ça pour voir par rapport si t'as des chances de gagner le vote avant ou pas. Ça dépend de plusieurs choses. Mais là, ils font chier. Bon. Prochain stage. Là, ils font chier. このゼニスキー様がいただいたもの。久しぶりだな、ゼニスキー。誰だ、ゼニ。この顔を忘れたとは言わせぬぞ。誰だ、ゼニ。ラハール様だ、魔界の次期後継者、魔王君。ああ、思い出した、ゼニ。魔王様が死んでから何か忘れてると思ってたら。ああ、殿下
かのことだったゼニカ。魔王の息子を忘れるとは。悪魔なんてそんなもんですよ。俺様のことは困っ、もうわがままなんだから。いや、思い出せてよかったぜ。喉に刺さった魚の骨が。俺様は魚の骨と思って。何の御用だぜ。何の御用ではない。親父が死んだ今、魔界の後継者はこの城から盗み出したもの。くしっし、それはちょっと虫が良すぎるぜ。魔界では力こそが全てだぜ。元よりそのつもりだ。行くぞ。お金や権力のために争い合うなんて、やっぱり天使様たちがおっしゃるように、もしそうだとしたら。 OK、boss fight, hein. Boss fight. Il a pas mal de HP. Ok. Je rappelle, je fais une coupure son pour timer si au cas où je coupe. Bon. Ils sont alignés du mauvais côté. Bon. Enfin, la même connerie. Go, ça ragra. Le problème, j'aurais pas de lunettes. Ok, bon. L'art, là. Là, je vais envoyer elle. Éclair obscur. Je pense pas que ça fasse des dégâts, ça. Ah si, cool. Ça n'a pas servi à grand chose. Ils ont un statut, je sais pas ce que ça fait. Lui s'appelle Guy Nero. Pardon, tout là, j'ai un niveau noir. Fait. Il y a un moyen plus rapide de regarder la liste d'ennemis normalement. Ah bon, voilà, comme ça. On fera comme ça la prochaine fois. L'Arl, je pourrais pas. Attendez. Ok, j'ai une idée. Non, pas là. Bien essayer de. Oh, je peux pas l'envoyer. Comme ça. Voilà. Répète là. Alors. Ah, il a beaucoup de life, Guy. J'ai failli oublier que je puisse me soigner un tout petit peu. Avec ce nom d'attaque dégueulasse. Dire un truc d'anime en fait, je trouve que c'est le truc bien cul. Voilà, ça apprendra à avoir des dons d'attaque comme ça. C'est répugnant. Ça peut... Ok, là elle a beaucoup d'HP aussi. On va faire ça. Bon, je voulais pas l'envoyer là, mais ça a quand même marché. T'es sérieux là sur le... Ah merde, mais je peux encore attaquer avec l'archer, j'ai... Bon bah cool. Bon, tant que je déclenche pas le boss... Tranquille. Je préfère être seul contre le boss que d'avoir des ennemis autour. Parfait. Je pourrais l'empoisonner en fait, ce serait pas mal. Zone bloquée, je parie. Non. Cool.
Puis vu je vois qu'il avait que 21 HP. Ok. On va tester de l'empoisonner, voir ce que ça vaut. Je sais plus à combien de cases c'est. Je crois ça. Non, une de plus. Non, pas ça. Ah bah il est empoisonné. Je vais essayer de l'envoyer. Je sais pas si je peux renvoyer l'art à côté de, du boss. Non, c'est un boss de merde, hein. Spoiler alert. Il fait quand même des dégâts. Bon, l'autre a aucune défense. Ah, qu'est-ce qu'il a volé? J'ai dû revendre les morveleuses que j'avais achetées. Ouais, il a rien. Il faut pas ce que je fasse en voleur pour... Je sais plus si je l'avais fait en voleur dans ce jeu pour pouvoir voler correctement. Après, le bal, c'est pas utile... directement. Mais ce qui est bien, c'est qu'il va à chaque fois sur les personnages complètement useless. Et il tape pas le seul qui soit vraiment dangereux. Dolphin X. Omae no macho. Sonna. Okane ga nakattara. So ka. Nara, ima, kono ba... Hidoi. Okane bakari ka inochi made o... Misugosu wake ni wa ikanai. Kou nattara, kono te de Rahaaru-san wo... Mate, kono yaro! Nanda, omae wa? Sono te o hanase! Ore-sama wa gaki demo yousha shinai zo! Gozo, naze soko made shite oyaji o kabau? Korosare temo ii no ka? わかりませんか?それが愛というも。また愛か。愛愛愛とうるさいやつだな、この愛マニアめ。なんと言われようと結構です。愛を信じ、あなたこそ。愛。ラハール。ん?父さんのことは好きですか?大嫌い。うん。それが、今はそれでも構いません。 Ça devient un peu moins cul par la suite, même si ça va rester un peu cul. Mais c'est vraiment un truc que j'aime pas avec le Disgaea, c'est Flun avec son délire. Flun, c'est un personnage que j'apprécie bien, c'est parce qu'elle est affreusement con, mais son délire de... ただし、しな。ラハール様。What?あ、ウィ、メイ、トレジョアン、ウィ。サンアウトリゾーション。クール。大天使様、あの時のお言葉の意味を。大天使様。なんだい?天使様たちが。 悪魔は悪い存在だっておっしゃって。クロンは、いいかい、クロン。世の中に絶対的天使たちは悪魔を悪、自分たちを善と決めつけているようだが、悪魔にだってちゃんと愛はある。天使も、そして彼らを愛を導くこと。それがで大天使様、ラハール様は。 Bon ben épisode de 1h24, 25 maintenant. Je me demande combien je vais couper. をかけたキングバトルが魔界の大地を揺るがす。予測性。
料理のテーマは活火山麻婆豆腐、そして材料はフリーリータイ。え、俺たちっすか。邪悪な暗黒調理技の数々に苦戦を強いられるエトナ、そこに颯爽と登場するは忍者料理人アジカゲ。わけわかんないっす。次回、炎の料理人クッキング美少女エトナ第4話。Non, à chaque fois le résumé ça a totalement rien à voir. Ouais. Les résumés ont à chaque fois strictement rien à voir. La plupart du temps, hein. Il y en aura un, je crois, c'est totalement accurate. Bon ben, bonne soirée. Je verrai bien la prochaine fois si je repasse en 1080p 60 ou si je reste en 1440. 30. Ouais.